Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Le champion du monde, 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 le champion du monde
Oh,
Madame la conférence a prêté la partie de fondation. Et la cause inscrite sur RCE19-KLF. D'inviter la partie demanderesse à plaider. Donc, nous devant vous, pour faire réparer un préjudice. J'aurais pu me taire et me contenter de lire justement le dispositif. Mais je préfère parler parce que l'affaire est grave. Elle est grave parce que nous avons affaire à une société qui s'amuse, n'est-ce pas, à user de sa liberté tout à fait étrange d'utiliser une idée qui lui appartient. En fait, nous sommes ici parce qu'il y a un promoteur qui s'appelle Ilongo Ferdinand qui est en contrat avec un boxeur professionnel, Ilunga Makabu Junior. Et l'homonymie faisant, n'est-ce pas, comment dirais-je, une sorte de bon sort, depuis qu'ils sont ensemble, le promoteur fait son devoir, il promouvoit le boxeur, pour qu'il soit, n'est-ce pas, à même de faire des bons combats. Eh bien,
il y a quelques années, ici à Kinshasa, sur base du contrat de promotion qui lie les deux parties, un combat épique a été livré par le champion du monde, le Nakamura Junior, à l'époque, non encore champion. Il a livré un combat contre un Polonais qui n'avait jamais perdu, mais qui a eu sa première défaite en RDC. Je me rappelle encore ce soir-là. C'était le 30 janvier 2019. Et à cette occasion, le chef de l'État s'était déplacé personnellement. Je me souviens encore de voir faire des hypercutes, des crochets pour encourager le boxeur. Il a fini par gagner l'espace au point contre le Polonais. Il a eu sa ceinture de champion du monde. Après la ceinture mondiale World Boxing Council en sigle WBC, la catégorie lourd léger. C'était le cadeau donné aux Congolais pour en fait une bonne année. Et sur l'ancienne espèce de préparation, Macabre Junior, accompagné par son promoteur, qui pourvoit à sa bonne santé psychique, physique, psychologique. Parce que préparer un combat, c'est quoi? L'entraînement, les sparring ne sont pas les sparring de combat d'entraînement, ils sont des véritables combats pour lui. De manière amicale. Parce qu'en fait, il doit affronter l'adversaire prochain en se préparant face à un adversaire qui peut valoir dans la force, celui qui va devoir affronter. Les sparring, il le fait en Afrique du Sud, il le fait en Pologne, il le fait en Roumanie, il le fait en Allemagne. Cela offrait du promoteur. Prêt à mettre cette ceinture encore en jeu, il a fait à Kinshasa ici, contre un Nigérian, qu'il a battu au point. Pas KO. 7e round. Mini-pile, paf. 7e round. Le Nigérian, Carlos. Ceinture gardée par le champion Julio Macao. Dans la nuit du 29 au 30 janvier de cette année, il s'est rendu à Ohio. Il fait encore un combat contre le Sud-Africain Tshabiso Tshunu, Sud-Africain, qu'il a battu à pas de couture au point. Champion du monde confirmé et prêt maintenant à en découdre avec Canelo. Canelo a vu l'acteur, a vu l'athlète, a vu la star. Il voulait ce combat pour le mois de mai, il a plus peur. Il a préféré le repousser pour le mois de décembre. Canelo, champion du monde aussi pour sa catégorie. De Gaulle, est-ce que je peux avoir la ceinture du champion? Eh bien, donc le 30 janvier 2022, le champion junior confirme que sa ceinture lui appartient, qu'elle n'est pas d'espoir à prendre, qu'elle n'est pas galvaudée. Et curieusement, deux jours après le combat, le 3 février 2022, surfond sur la vague du succès planétaire de Macron, parce qu'en tout cas, le combat est livré, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud, l'Afrique entière, le monde entier voit ce qui se passe. Je prends tout simplement le dire de la dernière ceinture. Parce qu'il y a quelques années, à l'ère des filles ici, alors de Jazaïre, ce monsieur, vous voyez là, Mohamed Ali avait livré un combat de défense contre Foreman, des étrangers, cette fois-ci. Eh bien, réunissant les stars du monde de l'époque, eh bien, Julio Macabu est bien. À l'époque Silver, mais Gold cette fois-ci. Donc il est une star mondialement connue. Aujourd'hui, n'est-ce pas, à la faveur
de l'Internet, de Facebook, eh bien, Vracongo se permet d'associer son image numérique à la marque d'Opel Munich dans une affiche publicitaire sur Facebook intitulée d'Opel Munich Vracongo, sans l'aval ni du promoteur ni du boxeur. Eh bien, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Cette affiche a été conçue et postée pour des fins publicitaires parce qu'elle contient non seulement le slogan de la marque d'Opel, Munich, à savoir « un groupe puissant à dompter », mais aussi et surtout la formule générique obligatoire destinée aux consommateurs des boissons alcoolisées, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et l'affiché, publication de Dauphin Munich, Vracongo. Dauphin Munich, Vracongo. Sponsorisé, alors que le champion et le promoteur n'ont reçu un seul dollar de ce monsieur-là, enfin de cette société, Vracongo. Champion et puissant, bravo à la Congo. Dauphin Munich, Vracongo, RDC, encore une fois, champion. Et là ici, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, c'est bien marqué. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Après ce combat, il fait Hawaïou. Bien entendu, ces grandes firmes de publicité ont approché le promoteur et le boxeur. Même le copromoteur qui est Don King, pour en fait négocier des contrats de publicité. Enfin, je sais que le Canelo qui veut affronter Bruno Macabo a décroché dernièrement un contrat de publicité. Ainsi, commenté. Après Floyd Mayweather, la boxe va rester l'un des sports les plus lucratifs au monde pour ses meilleurs éléments, dont fait partie Junior Macabo. Alvarez Canelo a signé un contrat record de 5 ans pour 11 combats avec la plateforme de streaming DAZN. Alors que HBO a décidé de se retirer du noble à DAZN, présent aux États-Unis depuis seulement un mois, saute sur l'occasion en signant un contrat minimum de 365 millions de dollars avec le boxeur américain Mexicain, protégé par Oscar de la Hoya. Et justement, c'est le Canelo qui va affronter notre compatriote et patriote aguerri et affirmé au mois de décembre. Il nous touche, n'est-ce pas, ce montant à la tête. Parce qu'il y a eu un accord entre parties. Mais en l'espèce, sans l'accord des parties, Vracongo s'autorise, en état fait indu, à faire la publicité sur le plan mondial, parce qu'en fait, Facebook est vu dans tous les continents. Donc, traversant les océans et les mers, cette publicité là, est vue par tout le monde, pour pousser la jeunesse présente ici à consommer d'Opel. Bien entendu, publicité qui est faite pour le compte de Vracongo, mais sans l'accord, celui qui apprêtait l'image, Junior Macabo et son promoteur. Il va se dire que le mec a gagné. Et certains ont été approchés par Coca-Cola avant de repousser son offre. Et d'ailleurs, il s'est rendu compte que pour elle, il y avait à la fois entre Vracongo et nous. Le plan d'air ne m'a rien. On a perdu, n'est-ce pas, de l'argent. Il n'y a pas de Coca-Cola qui nous a approchés. Eh bien, encore que d'ailleurs, on s'accepterait parce que là, c'est une consommation, n'est-ce pas, non pas d'alcool, mais d'une boisson sucrée. Nous avons, n'est-ce pas, pour pousser des offres qui signifieraient des millions de dollars. La raison pour laquelle, faisant référence à l'article 258 du Code civil de 3, eh bien, la faute va être constatée. Il exige réparation immédiate, parce qu'en fait, le plus de consommateurs pour nous. Il faudra, n'est-ce pas, que votre tribunal donne une leçon à une société, quelques filiales de Castel. Une fois de plus, je pense, les exploitants coloniales. Le blanc vient, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, de produire le caoutchouc,
quand on accomplit, on vous coupe les mains. C'est ce qui se passe. Junior, tu es boxeur, boxe pour nous, mais toute publicité, c'est nous qui la faisons, mais sans te payer. Parce que c'est un aigle. C'est un peu ça, le résumé de l'affaire. Monsieur le Président, nous sollicitons dans le tribunal que Bakong soit condamné à des dommages intérêts évalués à 5 000 $ pour chacun des demandeurs. Bien commençant par la condamner, n'est-ce pas, au manque à gagner à payer, valant 80 000 000 $ pour chacune des parties demanderesse. Et donc, votre tribunal, monsieur le président, honorable juge, disent recevable et fondé, à présente action, condamné la seigneur Bakongo qui a préféré, n'est-ce pas, se défiler en quittant la cour, le tribunal, faisant affront, n'est-ce pas, votre tribunal, parce qu'elle ne veut pas plaider, ne peut pas rencontrer le roi, eh bien, aux sommes exigées, vous proposez par nous, frais comme de droit, et ça sera justice, nous avons fait. Là, on se remet à la sagesse du tribunal pour que l'outil soit rendu. Nous avons dit. Voilà la présence de l'international Junior Macam ici au tribunal de commerce. Qu'est-ce qui justifie justement sa présence ici? La présence de Junior Macam, comme vous le savez, il y a une entreprise locale, qui est même internationale, le Bracongo, qui a abusé de l'image de Junior Macabou avec publicité d'Opel, d'Opel unique, consommant d'Opel, bière de champion, en mettant l'image de Junior partout au monde. Comme vous le savez, d'Opel est sur le plan international, d'Opel est consommé partout, hein, presque dans tout le pays au niveau mondial. Alors sans consulter Junior, ça qui a un contrat. Et c'est là, comme vous le savez, ça a porté préjudice à d'autres sponsors que la promotion était en contact avec pour Junior Macabou. Donc Bracongo a utilisé abusivement les images. C'est ainsi qu'il y a eu, ça fait déjà 2 mois, 3 mois. On avait entamé des négociations avec Bracongo. Bon, comme Bracongo c'est une entreprise, un multi-international qui croit encore que nous sommes encore à l'époque des pierres taillées. De, je ne sais pas quoi là, on peut utiliser un boxeur congolais comme ils veulent par rapport à leur publicité, sans corps, sans quoi. Quand, non seulement ça, sur le plan international, je dois vous mettre au courant que quand il y a de publicité par rapport au championnat du monde, il y a des taxes à payer à la WC, il y a des taxes à payer par rapport aux partenaires, il y a donc qui est là qui est aussi partenaire. Et tout ça, voilà quoi nous nous sommes dit, après négociation, après tout, Bracongo n'a pas voulu recevoir ni Junior, recevoir ni le conseil des Junior. Cela justifie notre présence ici. Je suis venu, étant promoteur, soutenir notre boxeur champion du monde par rapport à ces procès. Et voilà quoi. Donc, en dehors de ça, nous attendons les résultats. Comme toujours, vous savez, moi j'ai toujours fait confiance à notre justice congolaise. Qui, justement, c'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce que vous attendez de plainte face à la Bracongo? Que Junior, le champion du monde qui défend le pays valablement, comme vous le savez, aujourd'hui on parle du Congo. Quand vous tapez sur le plan, dans n'importe où, dans n'importe quel. Dans vos recherches, dans vos sites, vous allez voir sur le drapeau qui Congo qui flotte et il y a Junior Macabou. C'est que si nous sommes venus ici, c'est par rapport à nos droits. Le reste, c'est ce qui concerne. Qu'est-ce qu'on attend du tribunal? Je crois que l'avocat est mieux placé pour. S'exprimer et Junior est mieux placé pour s'exprimer. Je suis venu les soutenir, l'accompagner en tant que promoteur. Et le reste, je crois qu'à ce qui concerne, c'est ce qu'on s'attend de la justice. Je préfère que Maître puisse parler et après, à la fin, lui-même, le boxeur, va s'exprimer. Merci. Justice soit rendue, tout simplement. On a plaidé la cause. Nous avons démontré le préjudice subi par le promoteur et le boxeur qui est champion du monde. Et donc, on espère que cette fois-ci, ceux qui s'amusent à user indûment d'une image à autrui, d'une star mondialement reconnue, s'en abstiennent désormais, en en payant le prix. C'est très important. Voilà. Le délibéré a été donc confirmé. On attend maintenant que
la loi. Et cela se fera certainement. Le délai, c'est en principe 8 jours, hein, et on attend. Le tribunal s'en décide parce que Bracongo s'est retiré. Et je fais confiance à notre tribunal, je sais que tout va bien se passer. Et je demande à tous nos compatriotes de pouvoir avoir la tête en haut et nous ferons tout ce que nous pouvons faire pour que le sport et notre drapeau se flotte. Merci beaucoup. Maître, champion, même ici ça. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.